Bonjour à tous et à toutes, je suis Alus et bienvenue dans Fan Games, ces vidéos qui vous présentent des petites perles que je trouve de temps en temps, que ce soit sur internet ou sur différents sites dédiés à ça comme Itch.io, RamStation, même si RamStation reprend tout ce qui se trouve sur internet et les mettre sur leur base, et surtout GameJolt, vu que c'est un jeu GameJolt que j'ai pu trouver il y a quelques jours, j'ai testé, j'ai bien aimé. Sonic Respire. On va voir ce qu'il en est. On est sur un début de démo. Le jeu, à l'heure où j'enregistre, il est sorti il y a moins d'une semaine. On est sur une 0.4.5 selon le développeur. Donc, j'ai fait que le premier niveau. On va faire le tutoriel pour vous montrer, pour vous expliquer un petit peu tout ce qu'il y a. Et il y a une chose que j'ai déjà beaucoup aimé. C'est tout ce qui est image, tout ce qui est le design du jeu. Pour l'instant, on est sur quelque chose d'assez simple. Un timer, les rings, les vies, les Chaos Emerald et une barre de boost avec le X. C'est un petit peu comme dans... Alors moi j'appelle ça... Je suis mort. Très mauvais exemple. Très mauvais exemple. Ce fois au tutoriel. On dirait un journaliste de jeux vidéo sur Cuphead. Donc une touche pour sauter. On peut dasher. En rappuyant dessus, si on fait saut plus mouvement saut, comme on le verra plus tard, ça fait un petit tricks. Il faudrait que j'ajoute un plugin pour vous montrer, pour vous expliquer un peu. Voilà, hop, petit saut. X pour le boost. Et on peut se rouler en boule, évidemment. Voilà, c'était le boost. La barre de boost qui se remplit, je crois, en fonction des anneaux. Le petit slide, évidemment. Ah, et bien sûr, le Walu Jump. Et évidemment, là, on nous dit pendant les sauts et que l'on touche ces anneaux d'arc-en-ciel, on bouge dans tous les sens et ça fait un max de tricks. Oh yeah, you know. Et j'ai réussi à me rater. J'ai réussi à me rater, mais on verra ça dans le niveau. Là, en gros, bon, là, c'est comme je vous ai expliqué, si on fait saut plus haut et saut, ça nous fait gagner un petit peu de hauteur. Et le Y, c'est un espèce de dash pour anneau. Et bien sûr, trouver tous les Sonic, tous les émeraudes du chaos pour Sonic. Voilà, et j'en profite pour faire ramer toute la capture. Voilà, je m'amuse. Écoutez. Ça rame un petit peu parce que le PC est peu puissant, je pense que certains s'en doutent, et la capture aussi, merde un peu. Le stage 1, Lunar Lake, j'ai essayé de récupérer tous les anneaux, il y a des endroits cachés, il y a des trucs à faire à certains moments, et il y a une sorte de 3D. Donc là je vais faire le jeu en legit. Là je peux pas passer, je le sais. Du coup, ce que j'ai découvert, c'est juste en bas. Hop. Là, je vous montre un petit peu. Donc là, vous voyez, hop, petite émeraude du chaos. Si on la excède, on devient un super Sonic. Ah, c'est bon, je suis pas mort. Regarde un petit peu ce qu'il y a aussi, je découvre le niveau. Petit checkpoint. Des tricks, hein, comme je vous ai dit, qui vous rendent de la barre de boost. Hop, petit slide. Les musiques sont cool. Ce qui est important de souligner quand même. C'est censé être de l'eau, mais bon, j'ai raté parce que je suis mauvais. Je suis très mauvais à Sonic. Je mettrai bien sûr en info, en barre de description, que le site GameJolt du dev, si jamais le jeu vous intéresse.
J'ai pas compris comment je fais. Au secours. Ah oui, c'est un dash. C'est un dash et c'est le game over. C'est pas grave. Grâce à la magie d'ellipse, on se retrouve à l'endroit où je suis décédé. Oui, je vole. Je découvre des nouveaux trucs en même temps que je vous montre tout ça. On va tenter de pas se rater cette fois-ci. Il y a déjà trois fois que je recommence. Ce qui m'amène à un des premiers problèmes du jeu, c'est que c'est pas super maniable à certains moments, je trouve. Ah bah évidemment. Ah bah oui, mais d'accord. Ah bah fin du niveau. C'est bon, j'ai réussi à passer le premier niveau, c'est déjà ça. Je vais faire de ça même si le chrono plante. Le chrono a planté. Le chrono a planté. Voilà. Donc c'est tout, c'était le premier niveau. Il y a un Discord, voilà tout ça, tout ça. C'était très court, mais bon, ça arrive. Je vous tiendrai au courant du projet si jamais il y a des nouvelles choses. On en reparlera sans doute dans quelques mois pour faire une grosse vidéo nouveauté. Si jamais il y a de l'avancement. Merci à tous d'avoir suivi ce petit fan game. J'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à aller regarder les autres vidéos de ce genre. Peut-être que vous trouverez la petite pépite faite par les fans de demain. Merci à tous. Abonnez-vous évidemment, commentaire si vous avez des fan games intéressants à proposer, peut-être que je les ferai. J'ai Twitter, abonnez-vous à la chaîne évidemment. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour un nouveau fan game.